Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, très content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine cosmétique homme, à savoir tous les produits que j'utilise. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que la première chose qu'on voit chez toi, c'est ton visage. Donc, si tu as un visage qui est mal entretenu ou abîmé, ça va jouer en ta défaveur et ce n'est pas le but recherché. C'est pour ça que c'est toujours important d'entretenir son visage, du moins c'est ce que je pense. Alors, pour les retardataires, il faut savoir que les crèmes, les cosmétiques ne sont pas réservés aux femmes, mais il y a aussi un marché pour les hommes. Et parce que dans tous les cas, une peau c'est une peau et elle est constituée de collagène. Alors, pour le premier produit que je vais te présenter, donc c'est une crème hydratante jour, donc anti-ride plus soin fermeté. Donc ça, ça permet de bien nourrir la peau, de bien l'hydrater. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que c'est une crème non grasse. Alors ça aussi, pour moi, c'est important parce que tu as des crèmes qui laissent un film gras sur la peau et ça, ça te donne un aspect huileux. Donc évidemment, ce qui n'est pas très esthétique à voir. Et avec ça, moi, je n'ai pas ce problème. Alors, donc ça, c'est une crème que j'utilise tous les jours. Ensuite, pour le deuxième produit, j'utilise un gommage que je fais une fois par semaine. Donc, un gommage, c'est un produit qui va t'enlever les cellules mortes, les résidus qu'il y a sur ta peau, parce que tu sais, tu as les UV qui passent par le soleil, tu as également la pollution, tu as la graisse de la peau, donc tout ça, au bout d'un temps, ça surcharge la peau de matière indésirable, pardon. Et avec justement ce gommage, ça va bien t'enlever tout ça. En plus, il enlève les points noirs. Donc ça va bien te décaper la peau, mais dans le bon sens du terme. Donc tu vas avoir vraiment une peau très nette. Donc ça, c'est une bonne chose, justement, à faire une fois par semaine pour avoir une peau toujours au top. Et une fois que tu auras fait ce gommage, ensuite, moi, j'utilise de l'argile verte, comme tu vois, donc juste après le gommage, parce que comme je te l'ai dit, le gommage, ça décape un peu la peau, enfin sans la ravager non plus, et avec justement de l'argile verte, celle-ci contient beaucoup de bonnes choses, et en plus elle contient du charbon, donc elle va donner un petit coup de boost à ta peau, donc ça c'est vraiment un plus à faire justement tout de suite après le gommage. Donc les deux, comme je te disais, se font une fois par semaine, et... Pour le dernier produit que j'utilise une crème bio donc pour les mains, de la Biofa, donc c'est une crème bio, donc elle est à l'aloe vera, donc c'est une très bonne chose, donc elle contient de l'huile d'argan, donc ce qui est très bon justement pour la santé des mains, parce qu'il faut savoir que les mains sont très utilisées, et par exemple si tu bricoles ou tu fais la vaisselle sans gants, mais tu as aussi les UV qui les squintent, donc elles sont soumises à rude épreuve, c'est pour ça que c'est très important de bien les entretenir pour ne pas avoir des mains de lézard complètement craquelées, donc ça aussi ça a toute son importance. Donc cette crème je l'utilise quasiment tous les jours, notamment le soir, c'est là où c'est le plus important, parce que, elle a tout le temps nécessaire pour agir, à savoir toute la nuit, donc ce qui est encore mieux. Donc, tous ces produits dont je te parle, ce n'est pas des placements de produits, c'est des produits que j'utilise et qui peuvent s'acheter partout, donc ces produits-là, tu peux les trouver en pharmacie, en parapharmacie, mais aussi dans les grandes surfaces. Et tout ça, ça va te donner une belle peau et justement te permettre d'être au top. Parce que le visage, c'est très important, comme je te disais tout à l'heure. Et tout ça, ça va contribuer à t'embellir. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne rien rater. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!